old playground. Direct d'Ozat dans l'Ariège avec les joueurs de l'USC pour ce stage de pré-saison. Avec moi, Pierre Morin, c'est le régional de l'étape, j'ai cru comprendre. Ouais, je suis régional enfin, de l'étape. J'habite à Foix. Enfin, j'ai habité à Foix jusqu'à mes 15-16 ans. Et tu as joué dans le coin en Ariège au rugby quand tu étais jeune? Ah oui, à Foix, j'ai commencé le rugby à Foix. Ouais. Alors nous, on est là pour le stage de pré-saison. Mais la question traditionnelle, comment se déroule ce mini-stage qui est prévu sur 4 jours, c'est ça? Ouais, sur 4 jours, on commence à toucher du ballon, enfin, que ça fait 4 semaines qu'on court, on court derrière des plots et tout ça, donc là, enfin, on touche du ballon, donc c'est plaisant. Et voilà, on voit les principes de jeu, les annonces en touche, on commence à un peu se préparer pour le match amical à Aurillac. Et pour agrémenter ce stage, au-delà de la reprise du rugby, vous avez aussi fait quelque chose rando. Je crois qu'il y a du canyoning qui est prévu cet après-midi, c'est ça? Ouais. Là, cet après-midi, canyoning. Et après, demain, on fera un petit repas tous ensemble. Alors, juste après, il y a récupération, mais cette fois-ci, à la rivière, on profite du cadre qui est magnifique pour récupérer, c'est ça? Ouais, surtout que l'eau est sacrément froide, donc pour la récup, c'est ce qu'il faut. Ouais. Elle doit être à, je sais pas, 10-12 degrés. Et bon, on peut parler un peu des installations parce qu'on est arrivé ici, moi je connaissais pas du tout Ozat et on a des installations qui sont vraiment de très bon niveau en fait. Ouais, on y était venu l'an dernier en mi-saison pour se ressouder un peu et on était déjà très très bien accueillis. Et là cette année pareil, donc du coup je suis très content qu'on soit revenu, surtout que ça me fait demi-heure de fois, donc c'est encore mieux. Et dernière question plus personnelle, toujours sous contrat avec le centre de formation. J'imagine que comme l'année passée, l'objectif de Pierre Morin, c'est d'être le plus souvent possible présent sur les feuilles de match la saison 2015-2016. Ouais, on va faire le max de temps de jeu et continuer à progresser. Ouais. Merci Pierre et bonne récupération. Alors. Merci.